Vraiment, c'était un navet de désespoir. Un navet d'échec. On était en face d'un président qui a eu à remarquer qu'il était vraiment dans une situation très difficile, qui a avoué son échec, qui a avoué que tout ne pouvait pas marcher tel que prévu, qu'il ne pouvait pas mettre son action, son programme d'action en marche, puisqu'il y a d'autres personnes qui sont en train de le faire de bocage. Et pour y arriver, il a proposé des pistes de sortie, des consultations. Des consultations pour ceux-là, les personnalités qui se retrouvent encore, qui se considèrent encore, qui croient encore dans le valeur, le valeur pour la démocratie, le valeur pour l'état des droits, le valeur pour la justice. Qu'il constitue tout un socle tout autour de lui pour qu'on puisse demain proclamer en haute voix la rupture, les divorces et entamer un nouveau mariage avec le partenaire de valeur pour la démocratie. Mais ce n'est pas constitutionnel, ce n'est pas constitutionnel. Puisque si on était dans le système de la cohabitation, on devrait comprendre, même dans la cohabitation, ce qui veut dire que dans la cohabitation, ce sont le parti politique qui entre dans le gouvernement, dont l'un a la majorité et l'autre est minoritaire. Il y a la cohabitation. Mais ici, on est dans le cadre qui est en dehors même de la Constitution. Ce sont des plateformes électorales. C'est le Non, sens. alors. Alors, cette expérience nous montre et nous prouve à suffisance que aujourd'hui, les personnalités congolaises, les personnalités politiques doivent en principe être mûres pour se réunir tout autour. C'est ce que nous avons demandé depuis très longtemps, que il fallait quand même avoir ce pouvoir par tous les moyens qu'il faut. Félix, il en a fait. C'est que peut-être le père ne devait pas faire, puisque lui, il a toujours refusé de prendre le pouvoir pour le pouvoir. Mais Félix l'a pris par la ruse, par des subtilités. Il l'a eu, un petit renard. Et maintenant, il fait appel à ses amis d'hier, que venons, réfléchissons ensemble, qu'est-ce que nous allons faire pour faire sortir ces pays dans l'occupation. Aujourd'hui, si ces gens, en leur donnant le territoire tel que Robert l'a fait, le lendemain, ils vont passer par un référendum. Un référendum sur le principe de peuple qui se dispose de lui-même. Donc, le peuple va demander de pouvoir être libre et auto de détermination d'un peuple. À ce moment-là, le droit africain le reconnaît de pouvoir passer par le référendum. C'est pour cela qu'ils sont appelés à venir injecter les Tutsis sur notre territoire, afin que demain, ils puissent passer par le référendum pour réclamer cette partie de la terre qui nous est des droits. Bonjour, chers téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise. Merci d'être toujours fidèles à votre radio-télévision, La Voix de la démocratie congolaise, dans son émission Tribune de la Diaspora, qui émet depuis New York City avec votre serviteur de tout le temps, Don Kayembe. Don Kayembe, comme vous le savez, chaque fois qu'il y a une actualité au pays, il va fouiner dans la classe intellectuelle de la RDC vivant à l'étranger, pour donner le point de vue ou une analyse. C'est ça notre contribution à la lutte et à l'avènement du développement en RDC. Aujourd'hui, nous avons fait le déplacement de Norvège pour rencontrer Monsieur Léonard Mwadiam-Vitampoï. Bonjour, Monsieur Léonard Mwadiam-Vitampoï. Bonjour, monsieur Don KMB. Alors, à moins de dire que vous êtes un représentant honoraire de l'UDPS Norvège, vous avez été aussi représentant, vous êtes représentant honoraire de l'UDPS Bureau Afrique et actuellement vous êtes cadre de l'UDPS
Il faudrait signaler que vous êtes un juriste de formation et actuellement là, vous êtes en Norvège où vous êtes un fonctionnaire dans la commune d'Oslo. Avec vous, M. Mpoi, nous allons essayer un peu de parler de l'actualité en RDC. Vous savez, cette semaine qui s'achève, c'était une semaine vraiment qui était riche en rebondissements politiques qui a abouti à une intervention musclée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, en tant que fond, la magistrature, qui est bien votre domaine. Et voilà, j'ai la toute première question dans ce domaine et de l'actualité même de la semaine. Monsieur Léonard Mpoi, peut-on dire qu'il y a une crise politique entre la coalition au pouvoir, c'est-à-dire FCC-CACH, ou peut-on tout simplement dire qu'il y a une crise institutionnelle en RDC? Le deux. Il y a une crise institutionnelle, comme il y a une crise également entre le mariage contre nature, entre FCC et CACH. D'abord, concentrons-nous sur la crise institutionnelle. Pourquoi une crise institutionnelle? La crise institutionnelle, puisque M. Félix Tshisekedi et M. Kabila ont voulu signer un accord et mettre cet accord au-dessus de la Constitution. Or, si et seulement si qu'ils considéraient la Constitution, je voudrais vous préciser qu'il n'y aurait pas une crise. Pourquoi une crise? Une crise puisque dans leur accord, apparemment, M. Kabila considère Tshisekedi comme étant un président qu'il a nommé. Il ne le considère pas comme quelqu'un qui devrait en principe jouer le rôle d'un président de la République conformément à la Constitution. Puisque notre Constitution donne au président de la République le ministère qu'on appelle le ministère régalien, c'est-à-dire le président de la République et le magistrat suprême, le président de la République et le chef suprême de l'armée. Le président de la République contrôle les finances et il contrôle également la diplomatie du pays. Mais il s'est avéré que, en donnant le pouvoir à Félix Tshisekedi, il prend le pouvoir et M. Kabila qui lui dit « Mais non, nous avons une majorité. » Ils ont fabriqué, bien sûr. Nous avons une majorité et vous allez vous soumettre et nous allons prendre d'autres ministères qui ne relèvent pas de la compétence de M. Félix Tshisekedi. Or, quelle que soit la coalition, quelle que soit la majorité que Kabila devrait avoir, et pourtant, d'ailleurs, on parle de la coalition, c'est-à-dire qu'ils sont tous ensemble. Lorsqu'ils sont tous ensemble, la Constitution devrait, en principe, être respectée. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, la coalition? La coalition, c'est-à-dire que c'est une union de tout le groupe, le plateforme électorale, il y a CACH, il y a UDPS, il y a FCC avec tous ces regroupements de partis politiques qui devraient, en principe, donner le pouvoir réel au président de la République, puisqu'ils sont tous dans une coalition. Mais malheureusement, nous constatons qu'ils restent avec cet esprit de pouvoir contrôler dans leur stratégie, contrôler le ministère, déployer le ministère régalien pour pouvoir faire des coques en jambes au président qui est en exercice actuellement. Voilà pourquoi on parle de la crise institutionnelle, puisque le respect de la Constitution fait défaut dans cette démarche de la coalition CACH-FCC. La crise politique, une crise de CACH, c'est-à-dire que le mariage, on ne peut pas faire un mariage entre ceux qui défendent les valeurs démocratiques et ceux qui sont des dictateurs. Nous, c'est difficile de pouvoir mettre le peuple et son bourreau dans le même cercueil. C'est ce que nous avons remarqué dans ces mariages que nous appellerons ici, pour ceux qui sont en Europe, ils savent ce qu'on appelle le mariage blanc. C'est-à-dire qu'il n'est pas un mariage d'amour ni d'intérêt non plus, mais quelqu'un a reçu l'argent et il dit, bon voilà, moi je vais peut-être faire le papier pour apparemment que l'État puisse constater que nous sommes mariés. Or, en réalité, il n'y a pas de mariage.
puisque la musique ne se concorde pas. Oui, juste une sous-question à ce niveau-là. Selon certaines personnes, ils disent que la Constitution confère à la majorité d'être responsable du gouvernement. Mais c'est à cause de cette coalition qui fait qu'ils sont partagés les ministères. Sinon, c'est le parti au pouvoir, parce que nous sommes dans un système semi-présidentiel, semi-parlementaire, qui a cette division des ministères. Oui, mais tout dépend de la manière dont ils ont conçu les choses. Puisque c'est constitutionnel d'abord. Oui, mais ce n'est pas constitutionnel. Ce n'est pas constitutionnel. Puisque si on était dans le système de la cohabitation, on devrait comprendre, même dans la cohabitation, ce qui veut dire que dans la cohabitation, ce sont le parti politique qui entre dans le gouvernement, dont l'un a la majorité et l'autre est minoritaire. Il y a la cohabitation. Mais ici, on est dans le cadre qui est en dehors même de la Constitution. Ce sont des plateformes électorales. Ce ne sont pas les partis politiques. Il y a une coalition. Oui, coalition qui veut dire que toutes ces plateformes électorales, ils se sont mis d'accord pour gérer. Et c'est pour cela qu'ils ont trouvé même eux-mêmes le terme, la coalition, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble. Ils sont coalliés. Je ne pense pas que le Français, quand ils font la coalition avec les Américains, ils vont se tirer là-dessus. Et un Français qui tire sur un Américain qui tire sur un Français, ah, et pourtant, ce sont des alliés. Donc, je crois que quand ils ont négocié leur coalition, il y a quelque chose qui a fait défaut. On va revenir à la coalition. Ils n'ont pas pu savoir ce que ça veut dire, la coalition. Moi, je trouve qu'il y a eu l'un qui s'est cru malin pour pouvoir écraser l'autre. Et maintenant, ils se sont trouvés devant l'histoire de le corbeau et le renard. Alors, ça, c'est bon, ça. Alors, avançons, monsieur Léonard Mpoi. Selon la genèse de cette crise qui trouve sa matrice dans l'ordonnance présidentielle du mois de juillet 2020, faisant état de management ou bien de changement dans la magistrature. La toile de fond de cette crise, selon le FCC, est que le président a violé la Constitution, intentionnellement la Constitution. Votre analyse, s'il vous plaît. Ils n'ont pas démontré en quoi il a, en vertu de quelles dispositions, le président de la République a violé la Constitution. On le voit pas. Il faut référence à la Constitution, à certains articles. Mais ils font référence sans pour autant nous prouver comment il a violé la Constitution. Ici, il s'agit encore une fois de la coalition. Le Premier ministre qui est absent, qui est parti en voyage, et il donne le mandat au vice-premier ministre, auprès de qui le président de la République lui fait des suggestions qu'il veut faire la nomination. Et c'est lui qui est délégué, qui a eu le mandat de Premier ministre, il s'en charge, il signe. Il reconnaît la compétence du président de la République pour la nomination en tant que magistrat suprême de la justice. Et quand le président nomme, il le nomme dans le cadre de sa compétence, conformément à la Constitution. Alors, les gens des FCC, puisqu'ils font toujours les calculs de pouvoir se maintenir au pouvoir, et il y a le petit calcul derrière, il dit, mais non, mais il a violé la Constitution, mais il ne prouve pas en quoi il a violé la Constitution. Le Premier ministre parle de contre-saint. Quand on délègue le pouvoir, quand on prend le pouvoir, on dit, voilà, je suis absent, je vous donne la procuration. Mais vous n'allez pas rester mains croisées pour attendre un mot d'ordre provenant de celui qui vous a donné déjà la procuration pour lui demander qu'est-ce qu'il faut faire. C'est de cela qu'on devrait parler peut-être de l'incompétence de vice-premier ministre qui a eu à faire le travail qui lui a été demandé par le président de la République, puisque en son absence, le président trouvait qu'il fallait nommer le magistrat. Et il l'a fait. Il n'y a pas la violation. Ils doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et je me pose la question de savoir pourquoi le FCC revient pour parler de la violation de la Constitution.
En quoi le président de la République a violé la Constitution? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Tout ça, ce sont des manœuvres dilatoires, puisqu'ils se retrouvent derrière quelque chose pour ce qu'ils avaient préparé, ça a échoué, et maintenant ils font des tentatives pour pouvoir déstabiliser les institutions de la République. Moi, je crois que ce qui s'est passé ici, c'est, comme je viens de vous le dire, c'est l'histoire que nous avons appris lorsqu'on était encore à l'école primaire, les corbeaux et les renards. Donc, il n'y a pas la violation de la Constitution. Au contraire, c'est le gens de FCC qui ont violé la Constitution tout au long des 18 ans qu'ils ont eu à diriger ces pays. Ils ont violé... Restons sur le fait actuel. Effectivement, c'est pour vous dire que aujourd'hui, nous sommes surpris que ces gens reviennent pour parler de la Constitution qu'eux-mêmes, ils ont toujours violée depuis qu'ils ont géré ces pays. Mais aujourd'hui, je pense que c'est ce que nous venons de, je venais de parler. Le président de la République, quel que soit le régime dans lequel on devrait se retrouver, l'accord entre FCC et CACH ne devait pas être au-dessus de la Constitution. En ce qui nous savons, si vous demanderez à tous les juristes, puisque je crois qu'en ce qui concerne le Congo, il y a toujours l'amalgame, les gens qui vont interpréter de leur manière pour se dire qu'ils sont constitutionnistes, c'est là. Mais le pouvoir du président de la République, quand il compose le gouvernement, la Constitution lui donne le pouvoir régalien. C'est-à-dire qu'il y a deux ministères qui sont réservés, quel que soit là, que l'autre parti puisse avoir la majorité, et que l'autre n'en a pas. Et donc, le président de la République a toujours le pouvoir régalien. Et c'est ce qui lui est reconnu en tant que magistrat suprême, en tant que chef d'armée. Donc, tout cela lui revient des droits, et c'est lui qui est élu à base, il est élu à base de son programme d'action. Et pour permettre la réussite de ce programme d'action, il faut qu'il puisse également avoir la mainmise sur les finances et l'économie. Bon, mais nous nous sommes surpris de constater que le CACH et FCC, ils signent un accord qui semblerait être au-dessus de la Constitution. Donc, c'est eux qui ont violé d'abord la Constitution pour bien parler. Et deuxièmement, la majorité telle qu'elle est constituée n'est pas constitutionnelle. N'est pas constitutionnelle puisque la Constitution congolaise reconnaît la majorité d'un parti politique et non la majorité de plateformes électorales telles que le regroupement de partis politiques, tel que ça a été fait dans notre pays. Ok, alors une bonne analyse, Monsieur Léonard Mpoyi. Nous avançons. Puisqu'il s'agit de la magistrature qui est à la base de la crise, selon vous, est-ce que la prestation des serments de ces trois juges de la Cour constitutionnelle s'est passé dans la légalité, selon vous? Oui, mais le président a nommé tel que prévu par la Constitution. Il a nommé le juge. Et le juge a prêté serment. Il devrait prêter serment devant le président de la République. Il devrait en prendre acte. Et c'est ce qui s'est passé. Les autres, ce sont les services protocolaires, les individus qui devaient venir assister, comme nous avons remarqué également le peuple qui était venu, et ils ne devaient pas entériner quoi que ce soit. Mais la prise du Parlement, qui est la chambre basse, sans accord du bureau du Parlement, est-ce que ce n'était pas vraiment un fait d'évasion? Sans l'accord du bureau? Le bureau du Parlement, c'est leur temple, il faut le dire. Mais c'est le temple du peuple. Effectivement. Donc, oui. Le peuple qui a une représentation, il a un groupe de gens qui gèrent. Donc, quand la présidence, à travers son service protocole, ils vont là-bas, ils font ça de force, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu un passage... Il n'y a pas de force, le président de la République est élu également comme le représentant, comme d'autres représentants. Ils doivent collaborer, n'est-ce pas? Ah, bien sûr, il y a eu la collaboration, et vous avez remarqué qu'il y avait d'autres représentants qui étaient là-bas.
Il y avait d'autres représentants du peuple qui étaient dans la salle. Et les présidents des deux chambres, haute et basse, n'étaient pas là. Le premier ministre non plus. On a constaté aussi l'absence d'ambassadeurs de l'Union européenne. Oui, mais ils ont été invités. Mais si la personne... tous ces gens-là, vous dites qu'ils étaient absents. Bon, peut-être qu'il y avait certains qui étaient malades, qui ont eu la diarrhée, qui ont eu peut-être le Covid-19. Bon, mais ils n'étaient pas obligés de venir. Peut-être qu'ils étaient... Tous ensemble. Ils étaient occupés. Hein, tous ensemble. Oui, tous ensemble, bien sûr. Nous ne pouvons pas... on ne peut pas prendre le bâton pour pouvoir le chercher partout où il se trouverait pour qu'il puisse venir assister à une cérémonie. Bon, ce qu'on a constaté, c'est que les gens sont en train de se plaindre, monsieur Léonard Mpoui, c'est l'animation et la chanson de l'hymne du parti dans une manifestation officielle de la République. Là, vous voyez un parti politique qui s'annonce et prend le devant avec son hymne qui a été entonné. Est-ce bon ça? Oui, là, je pense que, comme partout ailleurs, hein, il y a toujours un débordement. Il y a le peuple peut exprimer sa joie, peut exprimer je ne sais pas quoi, et puis aller au-delà de la loi. Hein, mais je crois que ça existe partout. Nous avons remarqué également quand M. Trump fait de campagne, il y a certains mouvements de la suprématie blanche, tels qu'ils se disent, qui se collent avec lui, qui bandent également d'autres slogans racistes, tout cela. Ce n'est pas pour autant dire qu'on participe ou bien que le pouvoir cautionne cela, mais ce sont les débordements du peuple. Dans ces débordements-là, il y a les gens qui m'appellent pour dire oh, donc, écoutez, si vous êtes objectif, vous devez aussi condamner ça. Je dis, je n'ai pas. Ah, bien sûr, on est en train de condamner, mais c'est un débordement du peuple. Quand oui, le peuple. J'ajoute leur élément qui demande oui. Votre intervention ici. Ouais. Le peuple, très ovationné de voir la force, de voir leur ancien président, qui est l'actuel président de la République. Quand ils le voient, ils ont entonné, ils ont acclamé en sa faveur. Et quand on chantait l'hymne de l'UDPS, le président de la République, qui n'est plus président de l'UDPS, a mis le signe de victoire. Et les gens disent qu'il y a eu débordement aussi à ce niveau. Ah, bien sûr. Vous savez, quand il était à ces moments-là, je pense qu'il a fait la bonne volonté. Il a montré qu'il voulait respecter la volonté du peuple. La volonté du peuple. Non seulement la volonté du peuple, mais il exprimait également son mécontentement vis-à-vis de ses alliés qui l'ont toujours déstabilisé, l'ont toujours fait des actes de sabotage. Et à ce moment-là, cet esprit d'un ancien combattant lui est entré, puisqu'il ne sait pas. Un révolutionnaire, alors. Un révolutionnaire, il devrait quand même le faire voir également que cette fois-ci, nous sommes dans une procédure de séparation de mariage et qui aboutirait également, après avoir rempli toutes les conditions, à la rupture totale. Ok, alors, pour désamorcer cette crise, en tant que garant de la nation, le président Félix Antoine Tshisekedi appelle à une analyse nouvelle avec des consultations dès la semaine prochaine pour la classe politique, société civile et consorts. À quoi cela peut rimer dans ces situations? Vraiment, c'était un aveu de désespoir, un aveu d'échec. On était en face d'un président qui a eu à remarquer qu'il était vraiment dans une situation très difficile, qui a avoué son échec, qui a avoué que tout ne pouvait pas marcher tel que prévu, qu'il ne pouvait pas mettre son action, son programme d'action en marche, puisqu'il y a d'autres personnes qui sont en train de le faire de court en jambe. Et pour y arriver, il a proposé des pistes de sortie, des consultations pour ceux-là, les personnalités qui se retrouvent encore
qui se considèrent encore qui croient encore dans le valeur pour la démocratie, le valeur pour l'état des droits, le valeur pour la justice, qu'il constitue tout un socle tout autour de lui pour qu'on puisse demain proclamer en haute voix la rupture, les divorces et entamer un nouveau mariage avec le partenaire de valeur pour la démocratie. Je crois qu'il a eu à exprimer, à parler au peuple congolais que j'ai eu à échouer pendant ces 2 ans. C'est à cause de nos alliés, c'est à cause de la coalition qui me déstabilise, qui essaie de me mettre des crocs en jambes. Et sur ce, il faut toujours avoir d'autres tactiques, puis ramener d'autres joueurs sur le terrain, car les anciens joueurs n'ont pas pu bien tourner le ballon sur le terrain. Alors, pourquoi le président ne pouvait pas dire ça en des termes clairs, en des termes voilés, pour dire que la coalition FCC cache est consommée? Mais il est passé par... Mais la démarche est claire, puisque avant qu'on prononce la rupture, il faut respecter les conditions. Quand il y a un mariage, il y a la séparation des corps, et après la séparation des corps, il y a le mariage qui sera prononcé. Bien sûr, je crois que c'est une démarche normale. Quelqu'un dit... Sous peine d'être accusé qu'il faut payer des dommages et intérêts d'avoir fait la rupture brutale du mariage. Donc, il faut qu'on passe toujours par une procédure normale qui vont être discutées et démontrées également. Il a fait une très bonne démarche, moi, en ce que je sache. Il a démontré qu'il ne pouvait pas répondre à l'aspiration profonde du peuple. Il ne pouvait rien faire et les 2 ans se sont écoulés sans pour rien faire. Et de ce fait, je crois qu'il faut changer, il faut changer le fusil d'épaule. Alors, quelqu'un pose la question à savoir. Quelqu'un pose la question à savoir, est-ce que fallait-il vraiment parler à la nation pour ce divorce-là qui n'avait pas engagé la population? Oui, mais c'est sa force. Vous pouvez dire que ça n'engage pas, ça n'engage pas la population. Mais lui, il se considère comme étant issu du peuple congolais. Et il a donné le rapport au peuple congolais qu'il a élu. Et il leur a dit, pourquoi ce qui vous attendait, je ne l'ai pas reçu. Donc vous dites pourquoi? Que c'est un aveu d'échec? Oui, bien sûr. Moi, j'étais devant un président qui faisait un aveu d'échec, un aveu de désespoir, et qu'il a trouvé qu'il ne pouvait pas continuer dans cette voie-là et qu'il faut retourner, faire un pas en arrière pour tenter à pouvoir redresser encore, si la possibilité il y a, à redresser le Congo ou à pouvoir gérer autrement. OK. Monsieur Léonard Mpoi, nous avons vu que nous avons cheminé du début de la crise jusqu'à maintenant où le président s'est exprimé devant la nation. Et vous dites que non, il est revenu à la nation, donc au peuple qui l'ont mandaté pour leur dire, écoutez, si ça ne marche pas, j'ai l'entorse quelque part, il faudrait maintenant s'occuper de cette entorse-là. Alors, selon vous, qu'est-ce que vous proposez comme moyen de sortie de crise à ce stade? Faut-il passer par ces négociations ou les consultations que le président a proposées, ou vous avez d'autres moyens que vous pouvez envisager? Je pense que la démarche que le président de la République a optée, c'est une démarche sage. Comme lui-même l'a dit, qu'il essaye de pouvoir concerter, consulter ceux qui se croient encore dans le valeur pour la démocratie, pour la justice, afin de pouvoir gérer autrement ce pays. Car ses amis d'hier, ce sont des antivaleurs. Il a reconnu qu'il a commis une erreur. Et il a reconnu ça devant le peuple congolais.
Et maintenant, est-ce que c'est une bonne voie pour s'en sortir de la crise? Je pense que oui, puisque si ces gens qui vont maintenant se constituer tout autour de lui comme étant un socle de solidarité, afin de pouvoir aider ce peuple-là qui a tant souffert, je pense que c'est une bonne solution. Mais la meilleure pour moi, c'est de pouvoir ratiboiser le bourreau d'hier. Puisque c'est comme nous l'avons toujours dit, nous ne pouvons pas composer avec le bourreau du peuple. On ne peut pas mettre le peuple dans la même fosse avec son bourreau. Donc, ces gens-là, ce sont les gens qui ont commis des crimes, qui ont maltraité notre peuple. Et aujourd'hui, nous, malheureusement, nous voyons qu'il y a encore des gens qui croient dans ces crouspilles de mafia qui tentent maintenant à démontrer que le président Tshisekedi a violé la Constitution. Et pourtant, c'est les gens qui ont eu à torpiller vraiment le peuple congolais pendant une période relativement longue. Et aujourd'hui, ils commencent à tâtonner, à parler de la violation de la Constitution. Et d'ailleurs, hier, ils nous disaient que bon, si vous plaignez de quelque chose, il faut saisir le tribunal, il faut saisir la cour qui devrait démontrer s'il y a eu violation ou pas. Le juge, si les juges qui sont nommés, on parle qu'il faut qu'ils soient loyaux et tout cela. Si les juges sont corrompus, on ne peut pas le maintenir dans la Cour constitutionnelle puisqu'on parle de l'inamovibilité. Moi, je pense que, et tout cela, il y a des certaines subtilités juridiques qu'il faut en principe en tenir compte lorsqu'on limoge le juge tel que les deux autres qui sont corrompus jusqu'à la moelle épinière et qui ne devraient pas statuer dans une autre cour comme la Cour constitutionnelle. Quelle chance donnez-vous à cette démarche du président? Je pense que s'il applique vraiment la sagesse, telle que nous l'avons vu... Quelle chance donnez-vous, vous personnellement? Ah oui, ben je pense que je lui donne vraiment la chance de réussir. Les gens ne travaillaient pas pour l'intérêt. Ma question est différente. Quelle chance donnez-vous à cette démarche d'aboutir des consultations? Est-ce que ça peut nous donner un ordre nouveau, c'est-à-dire renverser les institutions actuelles telles que le Parlement qui est FCC, sans oublier que nous avons aussi le territorial qui est dans le domaine de FCC. Ça, c'est très important. Nous avons vu des réclamations. Donc, les six précurseurs à Kolwezi, dans les Lualaba, il y a eu des aveux contre le président. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est ça la force des FCC? Ils risquent de déstabiliser le pays au cas où on les mettait à l'écart de la gestion de la société. Une fois fini les consultations, comme je l'ai dit, il est encore dans la compétence de pouvoir dissoudre cette assemblée. Il peut le faire. Il peut dissoudre l'assemblée et dissoudre l'assemblée provinciale et toutes les élections qui sont passées, et il est dans la compétence de pouvoir le faire, et il n'y aura rien qui va s'effectuer, car tous ces gens qui se disent le représentant du peuple, ce sont des tricheurs, ce sont des fraudeurs qui n'ont pas de peuple derrière eux. La preuve en est que la plupart, ce sont des familles. Ce sont des familles, vous trouverez le mari Boshaba qui est avec sa copine, et quand il pose la candidature, lui, il part au Sénat, la femme qui part à l'Assemblée nationale, ses enfants, ils sont dans les assemblées provinciales. Et tout cela, c'est la fraude. Donc, ces familles n'ont pas le peuple derrière eux que leur famille propre. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que maintenant, les familles commencent à se déchirer. Oui, donc quand nous voyons ce qui se passe là-bas, puisque tout le monde voudrait qu'il y ait un changement et que le changement soit effectué, mais quand on va faire encore l'union sacrée, rappelez-vous de l'union sacrée qu'on avait connue dans l'opposition, vous ne voyez pas que ça sera encore un mariage de contre-nature, puisque les gens qui viendront, s'ils ne se retrouvent pas, ils vont encore dénoncer la procédure et... Oui, je pense que les échecs d'hier peuvent servir de l'expérience aujourd'hui.
Nous, nous sommes en train de dire que, bon, nous avons eu un problème et nous avons un problème. Notre problème, c'est l'occupation. Et ceux qui ont occupé le pays, ils ont récupéré un certain nombre de Congolais pour le faire renifler les dollars. Et ces Congolais qui suivent, qu'on est en train d'acheter avec le billet vert. Ils oublient que ces gens sont venus en botte chez nous et ils ont eu cet argent chez nous et c'est notre argent. Alors, cette expérience nous montre et nous prouve à suffisance que aujourd'hui, les personnalités congolaises, les personnalités politiques doivent en principe être mûres pour se réunir tout autour. C'est ce que nous avons demandé depuis très longtemps. Qu'il fallait quand même avoir ce pouvoir par tous les moyens qu'il faut. Félix, il en a fait. C'est que peut-être le père ne devait pas faire, puisque lui, il a toujours refusé de prendre le pouvoir pour le pouvoir. Mais Félix l'a pris par la ruse, par des subtilités. Il l'a eu, un petit renard. Et maintenant, il fait appel à ses amis d'hier que venons. Réfléchissons ensemble, qu'est-ce que nous allons faire pour faire sortir ces pays dans l'occupation. Je voulais dire que les échecs d'hier de l'Union sacrée, tel que vous l'avez dit, ça peut servir aujourd'hui de l'expérience et je pense que c'est pour cela que je donne beaucoup de chance à deux gens mûrs, une élite intellectuelle, pour pouvoir d'abord s'asseoir tout autour d'une table, discuter le pour et le contre. Enfin, de pouvoir redresser le Congo. Prépare Félix, on risque de venir le rattraper et puis on le confisque ce fromage. Léonard, le problème, c'est celui-ci. Les gens que le président Félix va consulter, ils sont dans des partis politiques et surtout dans les regroupements politiques en train d'affûter les armes pour prendre le pouvoir en 2023. Alors, quand vous les ramenez tout proche de vous, c'est exactement leur donner les moyens, ils vont se faire de l'argent pour leur campagne 2023 et puis en 2023, ça sera chacun pour soi. Que le meilleur gagne. C'est ça Quoi? la démocratie. Que le meilleur gagne. C'est la démocratie. Alors, si vous voulez Mais en savoir ce qui pourquoi les concerne, amener, pourquoi amener c'est. des Ah gens oui, qui ne vont nous pas vous amène. aimer, qui ne vont pas vous aider à réussir, mais qui viendront pour Non. des intérêts personnels? À ce moment-là, lui également, il doit se préparer en conséquence, puisque il a un grand parti. Il doit également, ce qu'il a fait pour toutes les personnalités, tous les partenaires congolais, il doit également le faire au sein de son parti. D'abord au sein de l'UDPS. Il doit également réunir tous les pionniers, réunir tous les membres dissidents de l'UDPS pour pouvoir se maintenir au pouvoir et avoir également l'effectivité du pouvoir. C'est ce qu'on lui a demandé, c'est ce qu'on est en train de faire. Et il doit également faire ce qu'il est en train de faire tout autour de tous les citoyens congolais, tout autour de toutes les associations, pour que le membre de l'UDPS qui ont fait que cette UDPS puisse être très forte aujourd'hui, puisse revenir. C'est une démarche qu'il devrait avoir également le courage de le faire au sein de son parti politique. Puisque OK. sans le parti politique, il ne peut pas maintenir ses pouvoirs. Sans l'UDPS, il ne peut pas maintenir ses pouvoirs. Et de ces faits, je crois qu'il est également sage et intelligent pour pouvoir réfléchir afin que l'UDPS puisse se retrouver tout autour de l'arbre de palabre pour trouver des solutions, refonder ces grands partis pour redémarrer les activités politiques afin qu'on puisse maintenir le pouvoir tel que l'ANC continue à le faire en Afrique du Sud. OK, alors le dernier point, donc on va aborder très succinctement, Benyamulenge. Vous avez dit le pays était dans les mains de l'occupation. Voilà, plus d'une année, bientôt 2 ans, le pays est dans les mains de Mwana Mboka. Mais il y a encore des secousses du côté de l'Est où les Benyamulenge se reconnaissent comme Congolais et ils veulent que leur terre soit leur rendu. Comme Congolais, ils disent, ou disent-ils, pas comme Rwandais et ils ne se reconnaissent pas Rwandais. Qu'est-ce que vous en dites? Ça me fait rire d'abord, puisque
Dans la République démocratique du Congo, nous avons des ethnies, des tribus, et toutes les ethnies, des ethnies plutôt, se reconnaissent par leur langue. D'abord, ils ont de la terre, c'est-à-dire qu'on est attaché à notre terre. Ils ont une langue. Si vous allez chez le Batetele, vous trouvez qu'ils parlent Tetele. Si vous allez chez le Baluba, ils vont parler le Baluba. Si vous allez chez Bakongo, ils parlent le Kikongo. Et même le Kikongo des Congo central et le Kikongo des Bandundu. Si vous allez chez Mongo, ils parlent Mongo. Il se réfère à son ethnie. Mais nous n'avons pas ces gens qui sont venus chez nous. Ce sont des réfugiés qui sont venus chez nous. Et ils se disent Banyamulenge. Mais à notre plus grande surprise, ils parlent les Kinyarwanda, ils ne parlent pas les Banyamulenge. Ils disent que leur langue est différente des Kinyarwanda. C'est différent de langue à parler au Congo. Ils ne parlent pas des Banyamulenge. Banyamulenge, ce sont des montagnes qui se trouvent sur notre territoire. Et ils se donnent le nom de Banyamulenge. Alors qu'ils ne parlent pas les Banyamulenge. Les Banyamulenge n'existent pas. Donc c'est une terre qui est chez nous, mais ils ne parlent pas cette langue-là. Ils parlent Kinyarwanda. Alors allez-y comprendre que vous ne pouvez pas demander la nationalité. En même temps, vous vous dites, vous êtes les autochtones. Mais c'est comme un Hollon qui va demander la nationalité belge. C'est comme un Flamand qui demande la nationalité belge. C'est vraiment insensé. C'est vraiment insensé. Donc, ça n'existe pas. Mais c'est un faux débat, d'ailleurs. On voit les Banyamulenge en train de dire que nous sommes les Congolais. Les Banyamulenge ne sont pas les Congolais, d'ailleurs. Ça n'existe pas, les Banyamulenge, chez nous. Ce sont les Tutsis rwandais qui sont venus au Congo, qui veulent avoir la nationalité. La nationalité qui leur a été donnée. Et d'ailleurs, il faut rappeler à tout le monde qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui accorde la nationalité dans un groupe de personnes. On ne donne pas la nationalité dans un groupe, non. C'est une demande individuelle. On formule expressément une demande pour manifester l'intention de devenir, de se naturaliser. Mais nous remarquons, en me remarquant que ces gens, ils viennent, armes en main, et ils nous forcent à ce qu'on leur donne la nationalité. Et d'ailleurs, si on va stabiliser l'état des droits chez nous, je crois que tous ces gens vont répondre de leur forfait, de leur crime, de pouvoir s'attribuer la nationalité congolaise, de jouir de cette nationalité par force, comme M. Kabila, comme le Rubéro, qui était un réfugié reconnu d'ailleurs dans l'HCR, qu'il a introduit ses demandes. On lui a accordé la nationalité. Et aujourd'hui, il devient un Congolais par excellence. Alors, ce sont des choses que l'état des droits, ils devront en principe constituer. Si aujourd'hui on est ministre de la justice, il faut ramasser tous ces dossiers, le mettre de côté et le poursuivre. Il faut les arrêter et le mettre en prison. Leur place est constamment devant un juge pénal. Alors, vous avez dit quelque chose, que quand ils réclament la terre, c'est comme s'ils voulaient un Wallon qui réclame la nationalité belge tout en étant en Belgique. Ouais. Alors, j'ai aimé au moins deux intervenants lors de leur interpellation au Parlement, c'est-à-dire le professeur Joly et Madame Eve Bazaïba, surtout ouais. Elle qui dit, quand on commence par donner le territoire que le professeur Joly a démontré qu'il n'y a jamais eu dans la Constitution, ce qu'on appelle territoire rural, ça n'existe pas. Donc, il faudrait mettre ça à côté. De deux, le même professeur Joly qui demande à Rubéro, que c'est lui et son groupe qui sont les instigateurs de cette histoire, de se mettre à côté et de laisser le peuple vivre dans la tranquillité. Maintenant, ce qui a donné un peu beaucoup plus de force, c'est l'intervention de Eve Bazaïba qui dit « Soyons attentifs, puisque en donnant le territoire, ça sera comme avoir un Lesotho en Afrique du Sud, donc c'est-à-dire un petit pays à l'intérieur de notre pays,
Au lieu d'avoir un Vatican en Italie, c'est-à-dire une autre administration dans l'administration nationale. Qu'est-ce que vous en dites? Il a totalement raison. Il a totalement raison. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, si ces gens, en leur donnant le territoire tel que Robert l'a fait, les lendemains, ils vont passer par un référendum. Un référendum sur le principe de peuple qui se dispose de lui-même. Donc, le peuple va demander de pouvoir être libre et auto détermination d'un peuple. À ce moment-là, le droit africain le reconnaît de pouvoir passer par référendum. C'est pour cela qu'ils sont appelés à venir injecter les Tutsis sur notre territoire, afin que demain, ils puissent passer par le référendum pour réclamer cette partie de la terre qui nous est des droits. Okay. Et je ne pense pas que, comme le président lui-même a dit, qu'il ne cédera même pas un centimètre de notre territoire. Et je crois que tous les Congolais vont se mettre debout pour revendiquer cette partie et nous serons obligés d'accepter de mourir et de reculer de notre responsabilité divine. Tout à fait. D'accord. Alors, merci, Monsieur Léonard Lewampoi. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Je vous accorde une minute pour un mot de la fin. Mon de la fin, je fais un appel sincère à tout, à toutes les personnalités politiques, à toute l'élite intellectuelle congolaise, de pouvoir accepter la main qui est tendue par le chef de l'État, afin que nous puissions constituer une force. Notre problème, c'est l'occupation. Notre problème, c'est celui qui nous a occupés hier, qui garde encore une certaine parcelle de pouvoir pour revenir le lendemain. Et il faut constituer le socle d'union sacré tel qu'il l'a appelé pour pouvoir chasser définitivement cet occupant sur notre territoire. Ok, alors il ne reste plus qu'à vous remercier, M. Léonard Mpoui. C'était vraiment avec plaisir qu'on a partagé. Merci et à la prochaine. Merci. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous tous qui nous suivez du début jusqu'à la fin. Merci d'être fidèles à votre radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise, animée par votre serviteur Don Taïmbi de Pinocchio City. Nous vous disons que la tribune de diaspora, c'est un outil pour les gens de la diaspora qui veulent s'exprimer, pour parler du pays, pour donner leur contribution. Alors, nous avons été très contents de recourir au juriste Léonard Mpoui, qui nous a fait une analyse sur l'actualité de la semaine. Alors, nous restons à l'attente de ceux-là qui pensent qu'ils peuvent venir aussi donner leur contribution sur ce plateau. Merci donc, ici je pense plus particulièrement au docteur Christian Madila, qui ne dort presque pas aussi, il est vraiment au four et moulin pour le redressement de la RDC. Merci à tout le monde et à la prochaine.